Un mort. Il est où l'autre? Les trois morts. Oh! Oh les chiens. Un petit clip! Thank you! Fuck you! Ты тупое уебище, я бомж, сука, глупая, блядь! Attends, fais voir. Ok, je remets tout. Mais quoi? Mais non, mais lol. Vas-y. Il va mourir dans 5, 4, 3, 2, 1. Il est mort. Bien, tu vois. Prends-moi. Je suis en train de mourir. Il y a mes dorites. Mais quoi? Mais non. Quoi? Mais quoi? J'ai trop peur, j'ai un bol de tout moi les gars. Cachez-vous. J'ai des calions. Oh putain ce jeu! Si vous me dites pas que c'est le meilleur jeu du monde, je comprends pas! Pas trop tôt, Rocco. T'inquiète pas, ça va bien se passer, Rocco. T'es gris. Ah ouais, je comprends, le matin, c'est pour mon bail aussi. Bonjour! Bon matin, mes poulets. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, là, quand même. Merci, Vampire. Merci, Noobkusso. Au niveau 1, 13ème mois d'abonnement, merci beaucoup. Goose Corner, Kumakai, niveau 1, 44ème mois d'abonnement, merci ma couille. Noobkusso klaxon T1 et de 13 mois. Merci Makai. Merci Makai pour le Prime, 13ème mois. J'espère que les travaux se passent bien. Alors les travaux se passent bien. J'ai bien avancé avec le frère là. On a fini la cuisine. Ça a pris plus de temps que prévu la cuisine. Merci Babouille. On a fini la cuisine, j'ai fait toutes les peintures, j'ai tout peint. Là on est en train de poser le sol. Aujourd'hui on fait une petite pause. Voilà, on y est depuis samedi. On fait 8h, 19h. Pause de 30 minutes le midi. Voilà quoi. En plus le pire. Petite anecdote. Mes murs chez moi, c'est de la briquette. Ceux qui sont du bâtiment, ils savent ce que c'est. Ces petites briquettes creuses qui font 5 cm avec du plâtre. C'est très fragile. C'est de la merde.
et de 6 mois. J'ai fait toutes les chiottes. Merci, merci Mackay. Merci les gars pour tout ça. J'ai refait toutes les chiottes. C'était fini. J'ai tout enduit à la main et tout. Ça m'a pris. J'ai passé 2 jours dans ces putains de chiottes. Hein. C'est la plus belle pièce de la maison, c'est les chiottes. En plâtre. Mon frère, on est en train de faire les trous pour la cuisine, pour les meubles audio. Je lui dis, va doucement. Parce que derrière, c'est les chiottes. C'est le seul endroit où j'ai pas envie de rentrer, tu vois. 3 trous à faire. 3. Premier trou, il va doucement, il va pas en mode piqueur, il va en mode juste vissage pour pas abîmer. T'as un trou, et 2 trous, et le troisième j'entends qu'il fait oh ça va. Là, hop, il met en ta-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 ta, il passe à travers. Derrière, il y avait pas un trou comme ça, hein. Il y avait un trou comme ça. Le gros minet. Putain, faut que je refasse des chiottes. Et de 12 mois. Fais chier. Voilà, j'ai refait les chiottes du coup. Encore. Oh ça va, il y avait qu'un mur. Mais putain. En plus, je l'entends derrière qui dit « Oh, ça va !» Et clac, ratatatatata, foua, à travers. C'est pas possible. Ah non, classique, les trous dans le trou quand tu rénoves. Mais en plus, je le savais, moi, parce que j'ai refait un mur de la chambre de la petite. Parce que la salle de bain, on a replaqué, on a mis du placo. Et le plaquiste, quand il a mis rail, il m'a niqué tout le mur. Parce qu'à chaque fois qu'il mettait une cheville, ça me faisait un trou derrière de l'autre côté. C'est de la merde. Du coup, je savais que c'était fragile, ce mur de merde. Ah, ça m'a sauté plus qu'un gros morceau. Il faisait 10 cm le trou de diamètre. Ah, ça fait de l'aération. Bah, je voyais la lumière de l'autre côté. Donc là, les enduits sont finis, les plafonds sont finis, les peintures sont finies. Le studio, les murs sont finis, il manque plus que les plinthes. Et j'ai une petite idée de décor, de déco. On commence normalement la décoration studio lundi. On a rien pris encore. D'abord, on voulait finir toutes les peintures. Tout le sol. Un bordel, le sol. On se disait, putain, chez moi, c'est béton, isolant, lambourde, et il y a de l'aglo par-dessus. Et du coup, nous, on va mettre du vinyle par-dessus. Mais ça bougeait. Je dis, putain, c'est bizarre quand même. C'est bien lambourdé et tout. Je regarde, je démonte avec le frère. Je dis, putain, c'est marrant. C'est bien, hein. Ouais. Alors, le mec qui a fait le lambourdage était très doué. C'est nickel. Franchement, isolant, nickel. Franchement, c'est très, très bien. C'est très bien. Par contre, le mec qui a mis les planches, c'était pas le même. Ah non, parce qu'il y a des vis, elles sont là, mais juste pour dire qu'il y a des vis, parce qu'elles sont pas sur les lambourdes. Tu m'étonnes que ça bouge. C'est pas vissé. Bon, bah du coup, on a tout revissé. Là, ça bouge plus. Là, ça bouge plus. Non, je loue pas, j'achète ma couille. Ah non, je fais pas tous ces travaux pour de location. Et puis en plus, nous, on perce, tu vois, perce pour essayer de trouver les lambourdes. On se dit, mais putain, mais à quoi elle sert cette putain de vis? Et y a pas de lambourde en dessous. Du coup, on a même démonté une planche pour essayer de comprendre pourquoi ça vissait pas là où il y avait des vis. Ah, ce con, même lui, même le mec qui avait mis les vis, il savait pas s'il y avait des lambourdes. Du coup, des fois, c'est un peu un gruyère les planches. Hein. On a mis quelques trous de perceuse pour essayer de trouver les lambourdes. Hein. Ah, c'était comique. Hein. Coucou, Stizy, coucou à tous ceux que j'ai pas dit coucou, mes poulets. Bon matin. Une team de génie, même dans la vraie. Ah bah c'est comique, hein. C'est comique. C'est bientôt fini. Bah là, vu qu'on a fini les peintures, qu'on est en train de faire le sol, ouais, c'est bientôt fini. Mais j'ai hâte de commencer le décor, parce que j'ai eu plein d'idées. Je regarde plein de trucs aussi sur le téléphone pour essayer de trouver des idées pour le décor et tout. J'ai des petites idées qui pourraient faire vachement cool. Pour voir si le budget va passer. Et aussi si c'est faisable, parce que bon, quand même. Son T1 et de 26 mois. Ça lui crôlait la forme. Ouais, c'était un vendredi. Là, c'est exceptionnel. Les streams seront faits en fonction de... Est-ce que j'ai le temps ou est-ce que j'ai pas le temps? Là, je suis encore la semaine prochaine. Je serai encore en travaux. J'espère que... Pour moi, logiquement... Demain, on a fini le sol. Dimanche, on a fini le sol. Plainte, la totale. Il nous restera que le décor et des petits trucs genre porte de placard, des trucs comme ça. Et ça, ça, on fera tout lundi. Pour moi, les travaux sont finis mardi. Grand max, mercredi. Au pire, pas de stream lundi, mardi, mercredi. Par contre, stream jeudi prochain, il y aura un stream. Vendredi prochain, il y aura un stream. J'ai pas été trop là, trop long. Voilà, il y aura un stream. Et vu qu'en plus, je déménage le 11-12. Bah du coup, il n'y aura pas de stream le 11-12, même le 10.
Du coup, ouais, je streamerai un petit coup jeudi, un petit coup vendredi la semaine prochaine, quoi. Après, samedi, je démonte mon décor, je démonte mon PC, je range tout. Dimanche, faut que je démonte tout, que je ramène là-bas. Quoi. Tux, claque son T1. Quand t'as un viseur sur HUD Side sur Steam ou Crosshair X ou Crosshair V2. Ouais, ça avance bien, ma couille. Je te dis, normalement, on a fini pour moi mardi, mercredi, fini les travaux et déménagement le 11. Et après, j'ai un internet le 12. Du coup, prochain stream le 12, si tout se passe bien. Avec le nouveau décor. Et que j'espère qu'il sera bien. Tu devrais mettre la boîte de vis pour éviter de ranger. J'ai pas compris, Makai. Je pense que c'était d'autres choses. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Putain, j'ai hâte que ce soit fini. J'en ai un petit peu marre des travaux. J'ai mal partout. En fait, en gros, les peintures et l'enduit, j'ai tout fait. Mon frère, lui, il a fait tout ce qui était agencement, menuiserie, depuis qu'il est là depuis une semaine. Il a fait toute la cuisine, il a revissé, non ça je l'ai aidé, le sol, il a réparé quelques fenêtres aussi, parce qu'il y avait des fenêtres, il n'y avait même pas de fixation en bas, rien. Il a fait pas mal de petits trucs comme ça, des petits trucs un peu chiants, il a tout fait dans l'appart. Des petites tablettes, des caches pour les tuyaux, des trucs comme ça. Il s'occupait de tous ces trucs-là. Tous les trucs chiants, c'est ce qu'il a fait. Enfin, chiant. L'enduit, la peinture, le ponçage, je me suis tout tapé, quoi. Mais j'ai tellement hâte du décor là, j'ai vraiment des idées. Mais le truc c'est que j'ai envie de lumière incrustée, j'ai envie d'effets de lumière, j'ai envie de plein de trucs comme ça. Voilà, c'est que lâcher quelques news sur Twitter. Ouais, je t'avoue que là je faisais du 8h-19h. Je me suis dit au plus à un moment, je me suis dit vas-y, tu pourrais lâcher une petite photo là. Puis vas-y, je me suis dit, faudrait que je fasse ça le matin quand je suis frais, parce que le soir... Un room tour. Oui, mais je vous le ferai peut-être en stream plutôt. Genre en stream dans le nouveau studio et je vous montre une vidéo de des travaux. J'ai cru qu'il disait de lâcher des nuits. Non bah non. Non je suis pas locataire. Non je suis pas locataire Gagnon. Là j'ai acheté. Merci Tuxnux pour le Prime. Non t'es fou quand je suis locataire, moi juste je repeins tu vois. Et encore, même pas. Vraiment, s'il y a besoin de repeindre, je prends pas l'appart. T'as déjà déménagé? Non, pas encore. Toujours dans le vieux studio, ma couille. Où est Tartare? Tartare. Normalement, le déménagement, c'est le 11-12, déménagement, et après le 12, ce sera le premier stream avec le nouveau studio. Quand tu fais la vidéo? Ah, évite de donner les infos, non, mais t'inquiète. Normalement... Si tu connais le coin, peut-être que si je passe à côté d'une fenêtre, tu vas reconnaître. C'est quand même un coin connu dans ma région, mais enfin connu. Les gens connaissent un petit peu, tu vois. Mais bon, normalement, ça devrait aller. J'attendrai qu'il y ait les rideaux. Merde, j'ai une vidéo de avant et après. Le pire, le truc qui a vraiment beaucoup, beaucoup changé, c'est les chiottes. Les chiottes, j'ai tellement passé de temps aussi dedans, c'est que j'ai refait tous les murs en plâtre. Enfin, en enduit fin, tout ça, j'ai tout enduit, j'ai tout poncé, j'ai rendu, j'ai poncé, j'ai mis un primaire, j'ai remis de la peinture. Les chiottes, elles sont comme neuves. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait un connard qui est percé et qui m'ait fait un trou, quoi. J'avais pas de nom, mais mon frère, quoi. Je lui dis, surtout, va doucement, le mur est... Ah ouais, bah le mur est troué. Ah. Est-ce que c'est bien tout enduit et tout plat sans bosse? Car j'en ai déjà fait pour ma chambre et c'était pas parfait non plus. Bah, Gogo, le truc, c'est que moi, j'ai enduit... J'ai pas enduit partiellement, j'ai tout gratté, j'ai mis un enduit sur toute la surface avec un rouleau spécial enduit. Et après j'ai tout relissé avec une grande spatule. Et après j'ai tout reponcé au 180 et au 240 avec une girafe. Donc ça déjà, rien que le fait d'avoir fait toutes ces étapes, t'as pas une bosse, t'as rien, c'est lisse comme un cul de bébé. Ah j'avais regardé beaucoup de tutos tout ça, puis j'en ai déjà vu en faire tout ça, donc je savais comment fallait faire un peu. Mon frère a installé un sèche-serviette chez lui. Depuis, il y a un trou dans la salle de bain. Et sa chambre. Ah, ça aurait pu marier aussi. Non, mais je t'avoue que ma femme a dit « Ouais, on va mettre des cadres. » J'ai dit « Non, on met rien du tout sur les murs. Rien, rien. Ceux que j'ai pas refait, ok, mais ceux que j'ai refait, on n'y touche pas. Pas un doigt, rien. Les plafonds, pas de tringles, rien. Rien. On mettra sur les murs, pas rien sur les plafonds. Rien, rien. On a fait tout ça pour qu'on fasse des trous dedans non plus. On les colle. Non, on les colle pas, on met des aimants. Ah non, c'est pareil, faut coller.
On met rien. On les tient, tu vois, on reste debout. Voilà. On met un truc aux fenêtres. Mais il faudra que je vous montre, parce qu'en plus, il n'y avait pas de lumière là, parce que à chaque fois que j'ai fait une pièce en niveau plafond, j'ai pété l'ampoule. Du coup, plus au fur et à mesure que j'avançais sur le chantier, moins je voyais un truc. J'ai mis du temps à acheter des lumières. Dans le couloir, j'ai acheté que des lumières Eclipse. Forcément, dans le couloir, c'est une ampoule à visser. T'as une chaîne YouTube ? Oui, mais pas pour les travaux. Non, moi, les trucs comme ça, les trucs d'enduit, tout ça, c'était sur TikTok que je les ai vus. Le truc de passer du produit, enfin du produit, oui si c'est un produit enduit fin, au rouleau, ça je l'ai vu sur TikTok. Je suis un peintre plaquiste, tout ça, il fait un peu tout sur TikTok et il y a pas mal de trucs que j'ai vu que je me suis dit je vais faire comme ça. Par contre lui ça a l'air vachement simple quand il fait mais... Allez, si vous voulez faire vos plafonds chez vous les gars, en plâtre. Accroche-toi mon petit loulou hein, parce que... Putain c'est dur hein. Enfin, c'est pas dur, mais appliquer c'est facile, mais à faire c'est long et c'est dur. Coucou Amné, coucou c'est Mix. C'est Mix, je suis en train de te transférer des vidéos là, d'ailleurs, en même temps que je stream normalement. Je transfère 4 ou 5 wipes là. À perso je fais pas, je déteste ça, mais j'aime bien moi. J'aime bien. Mais la girafe, parce que mon frère devait me ramener une girafe, il me l'a ramenée. Mais entre temps, j'ai le carreleur qui avait une girafe, il m'a dit je suis pas prête. Mais lui, le moteur de la girafe, il était au bout de la girafe. Le poids du truc. Après, j'ai pris la girafe de mon frère, je l'ai prise en main, j'ai fait. Le moteur était en bas, rien que ça, ça a tout changé, frère. J'avais presque tout fini de poncer. Et j'ai tout fait avec la girafe. Putain, j'ai mal au dos par contre. J'ai tout fait avec la girafe hyper low. Tu as mis un aspi cette fois? Oui, il y avait un aspi. Mais avec la girafe, c'était nickel, j'étais pas tout blanc. C'est que avec ma petite ponceuse de merde Ryobi là. Elle dépanne. Mais l'aspirateur, il tient 10 secondes. Non, mais le moteur en haut, c'était une girafe pas faite pour faire tout un chantier, tu vois. C'est sûr. Parce que frère, je te raconte pas comment j'ai galéré. Tu sais, tu la tiens, tu fais une chambre, tu ponces. En plus, j'ai poncé 2 ou 3 fois, tu vois, histoire d'être sûr que ce soit nickel. Une fois au 180, après une fois au 240, puis j'ai remis un coup de 240. Mais je me suis fait 3 chambres, dont le studio complet, mais il n'y avait que les bandes à poncer, donc ça allait, tu vois. Et une cuisine et le chef, je l'ai fait à la petite ponceuse. Mais à poncer, tout ça, c'était ça le plus dur. Poncer. Poncer, c'était foire. Et après, à se taper tous les angles à la main et tout, c'était long. J'ai fait tous mes murs à la girafe 130 mètres carrés à faire plus jamais la prochaine fois j'engage un peintre, c'est horrible. Mais toi c'était placo, c'était de l'enduit. Merci Babelrod pour le niveau 1. T'as fait la chambre gaming pour le bébé? Non, il y a une chambre pour le bébé, une chambre pour moi, une chambre pour parental. Oh j'ai pas le temps à amener. Mais là je vais faire un truc, parce que j'ai fait plein de vidéos et des photos de avant et j'ai des vidéos des photos après. Je vais trier et après on mettra tout sur Insta et tout. Vous verrez tout les gars. Mais je vais peut-être attendre de regarder ça en stream, tu sais, genre quand on fait la découverte du nouveau studio, tout ça, et après je montre le avant après. Du coup, t'as préparé une chambre de ton. Ouais, j'ai fait une petite niche dans le couloir. Ah, il a son petit cendrier. Dans 20h30, tu lances tôt le stream. Bah, c'est parce que là, aujourd'hui, j'ai plein de rendez-vous cet après-midi. D'ailleurs, faut que j'aille chercher du carrelage aussi. Du coup, là, on va stream jusqu'à 1h à peu près. Après, j'ai des rendez-vous, je dois aller chercher du carrelage, je dois faire plein de trucs. Parce que le carreleur, ce que j'ai fait, je suis passé par un mec pour refaire toute ma salle de bain. Et j'ai dit surtout, essaie de me garder le nombre de carreaux qu'il me faut pour faire la faïence de la cuisine. Là, il me manque des carreaux. C'est 3-4 semaines pour commander des carreaux. Du coup, bah, vu qu'il me reste un petit peu de carreaux, je vais les garder au cas où si dans la salle de bain, j'ai un pet un jour et que je veux changer un carreau pour ma journée. Et du coup, je vais racheter de la faïence pour la cuisine et il me reste la faïence aussi à poser de la cuisine. Pas possible. Après, c'est vrai que je pourrais vous montrer les photos, peut-être pas de temps. Non, je vais garder la surprise. Je vais d'abord les envoyer amener. Et je vous les mettrai sur Insta.
Nouvelle chaîne Crocro Bricolo. Non, 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 non. Oh, non, 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 non. J'ai un peu pas, les gars. Ok, d'accord, je comprends le truc. C'est plus facile à faire sur Rust, les travaux. Ah ouais, grave, un petit building plan, là. T'arrives, tu poses le mur direct, il est nickel. Ça, c'est bien, ça. Tu commences à jouer à 10h. Bah, d'abord, on papote tout ça. Je vous raconte un peu. Ah, elle est où, ma boisson? Merde, j'ai laissé mon lit en haut. Foulage que la maison. Ah là, là, mais j'y touche plus. Hein. Hier, j'ai passé 2 heures à nettoyer la salle de bain. Attends, est-ce qu'il y a des carreleurs dans le chat, là? J'ai une question. Parce que moi, j'ai passé du temps à frotter cette putain de salle de bain. Normalement, vous partez, c'est nickel, non? Ah, il y avait toute la laitance et tout. J'ai dû tout nettoyer, moi, là. Pendant 2 heures. Les travaux ont bien avancé, ma couille. Normalement, si je me démerde bien avec mon frère, la plus gros des travaux sera fini mercredi. Et le studio aussi. La TC upkick 25 ans, frère. Pour la laitance, il y a un produit spécial. Quoi? J'ai frotté avec une éponge. Bah, du coup, j'ai testé la douche. Hein. J'étais trempé. J'ai nettoyé avec une éponge et de l'eau. C'est tout. Klaxon Prime et de 5 mois. Merci Big Bosco. Ah oui, ça se nettoie pas avec de l'eau. C'est pour ça que j'ai niqué mon éponge. J'ai tellement frotté que l'éponge elle a disparu à la fin. Et elle partait en morceaux. Pendant 2 heures. 2 heures où j'ai frotté. Bah j'ai acheté de l'acide mais j'avais peur d'en mettre dessus, du coup je l'ai pas utilisé. Eh, à l'huile de coude. Regardez, les biceps ils sont revenus. Ah, j'ai mal. C'est pour ça que je voulais stream aussi ce matin, parce que j'avais des rendez-vous, du coup je lui ai dit vas-y aujourd'hui on fait une petite journée tranquille et tout, on fait juste les petits trucs qu'on a à faire là, à part tout ça, démonter les tringles. Et vas-y je fais un petit stream, parce que là j'en peux plus. Là j'en peux plus. J'ai mal partout. J'ai mal au dos, je me réveille on dirait un vieux, j'arrive pas à me relever, tu sais je suis penché comme ça. Ah, oh mais l'ombre. Je peux nettoyer à l'eau, mais faut pas attendre trop longtemps. Bah ça faisait déjà 3-4 jours que c'était fini, du coup c'est pour ça que c'était dur à nettoyer. Je comprends mieux. Tu veux te détendre à péter des fions? Ah ouais, de fou. Par contre, vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué, je vais claquer au sol, les gars. Je vous le dis. Papy Coco. Mais même mon frère, hein. Enfin, après, bon. Il y a 4 étages, hein. Je veux dire que quand on devait descendre toutes les merdes, les remonter, 4 étages, tu les as sentis. Hein. Je pense que pendant ces travaux, j'ai dû perdre 2-3 kilos. Non mais après streamer c'est bien comme métier les gars, j'aime beaucoup. Effectivement c'est plus pour moi, je suis trop vieux. Le plus simple c'est vinaigre blanc et de l'eau. Et de toute manière faut que j'achète du vinaigre blanc parce que j'ai toutes les menuiseries à nettoyer. D'ailleurs si vous avez une technique pour les PVC pour bien les nettoyer, j'ai pris de l'alcool, un peu de l'alcool pour les plastiques et tout. Mais putain elles sont un peu vieilles des fenêtres et elles ont changé un peu de couleur, enfin faut que je frotte bien quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de travaux. Moi, ça fait 4 ans et demi qu'on stream, là. 4 ans et demi que je fais pas que je fais plus de chantier. 4 ans et demi, mon corps, il s'est adapté, hein. Vous voyez les petits pots de flan? Ah, la chaise, c'est le pot, et moi, je suis le flan. Par contre, c'est hyper satisfaisant quand tu vois tes plafonds finis et que t'as galéré à les faire. T'es tellement fier de toi, tu te dis putain, il y a mon plafond, c'est un clip PV. Amené, je suis sûr que t'as un flambi toi aussi. Avec tout ce que tu bouffes là. Je suis en formation et mon formateur grillé, que je regardais en live, il a dit que. C'était... Ah bah c'est gentil ça. Merci. C'est un nettoyeur au Waterloo qui marche. C'est bien, tu l'as où ça? À Leroy? Bon, j'achète à Leroy. Après, j'ai un magasin de... Que tu fais maison? Comment ça? Que tu fais maison? Ça passe? Non, mais c'est pas... Tu sais, à partir du moment où tu fais des plats maison, c'est pas plus esti que si tu les achètes... C'est plus sain, mais si tu manges une plâtrée de pâtes carbonara,
te vois, tous les plats que tu fais, c'est fat, hein. Hashtag amnésique Flambi. J'ai demandé à mon frère de venir sur stream aujourd'hui. Il veut pas. J'ai dit, vas-y, je vais faire un café, tu viens, tu me remplaces, ils verront pas la diff. Pour les PVC fragiles, prends cristaux de soude et eau chaude, c'est incroyable. Ah ouais? Je vais noter. Je vais noter. Déjà, je vais noter pour le carnage. Bah, dit. Pour le carnage. Spamax 63 avec son prime et de 17 mois. Hâte de voir la nouvelle LDCO de la pièce de stream. Crolé kiki. Pour le PVC. Cristaux. Pour faire de la meth, ça dans merde, comment est-ce que la série s'appelle? merci SPV Max. Breaking Bad, ouais. 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau chaude, ok. Oui, on a la même voix à peu près que mon frère, mais juste on a pas la même tête. Il a un visage plus fin que moi. Moi, j'ai le visage plus carré. Oh, en gros, il est plus mince et je suis plus gros. Cristaux de soude, ouais, c'est ça, ouais, je me suis pas trompé. Cristaux de soude. Pour 1 litre d'eau, c'est ça, ouais. Oh, allez les gars. Il y a la nouvelle nuit là, j'ai envie de tester. Par contre, j'ai l'impression que j'ai plus d'FPS. Est-ce que je suis plus en streamer mood? J'ai envie de game. Il est 10h. Streamer mood, c'est bon. Et il n'y a pas une nouvelle nuit là. Vous avez pas dit, vous avez fait un truc sur la nuit là? Ils l'ont pas fait? Vinaigre blanc pour le PVC? L'argile? Bleu? Tendre? Pour les carrosseries? Ah mais c'est pas une carrosserie. Ils ont rien changé à la nuit? C'est pas... Ils l'ont pas fait? Bah qu'avant. Au force wipe? Ah, c'était pas le force wipe là? Ah, c'est la semaine pro. Ah merde. Charlie, ok. 99 klaxon T1. Et c'est ça. Une fronde? Maison? Où là? Ah bah Arbor, très bien. Aujourd'hui on fait un petit web, hein, on va pas batailler. Qu'est-ce que c'est que cette base de cul? Donc c'est une gas station. Après, les gens ils vont faire la route là, ils vont pas aller au port, ils vont aller à Luxium. On va aller à Luxium aussi. Allez, une petite hache. J'ai vu qu'ils allaient nous mettre des scientifiques. Au Bradley. Ça c'est cool ça. Ça c'est plutôt cool. Mais lol. Oh le starter pack. Oh s'il y a un mec qui recycle, je vais le tac tac. Rien à foutre. Oui, j'ai vu ton message pour mercredi prochain. Et normalement, j'ai déjà mis en place le Miniamaker pour la miniature de dimanche. Mais je vais pas lui emmêler les pinceaux, du coup j'attends un peu. Bon, alors toi, t'es ma salope, là. Viens ici, cochonouille. Pas plus rien.
Bien Stoxum. Thomas. J'avais tapé 2-3 tenons. J'ai une hache et tout, putain, je suis bien. Oh, du close. Même si je tombe sur un mec à l'arc, hein, si je suis proche de lui, je lui arrache la tête. Hein. Bien si cochonouille. Pas bon skin. Ah nice du close. Une petite base là. Je vais voir s'il y a des maisons quand même autour. Y'a pas beaucoup de maisons, hein, mais ça devrait le faire le taf quand même. Une zip là, je vais aller la faire. J'ai déjà 117 scrap. Ah, la zip elle s'arrête pas à l'oxium. Une petite maison derrière. Demande si tu as combien d'heures de jeu. Oula, 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 oula. Beaucoup, hein. Il y a de la belle base, hein. Mais il y en a une, elle s'est fait éventrer. J'aurais bien aimé avoir un petit arc. J'ai pas trop de caisses. Ça a peut-être l'air on ici. Ça va me donner du close. Je sais pas si je me mets au port. Je vais me mettre entre les deux en vrai. Il est proche de l'oxium. Ah, je vais recycler ces merdes. Je vais mettre entre les deux trucs électriques. Pas les BP hein. Oh fuck, c'est pas passé. Oh merde. On va retravailler deuxième fois. De l'eau. Nice.
Je me gardais de quoi me faire Je vais me faire un petit shelter. Ah, revenant. Et je reviens juste aujourd'hui, hein. Je reviendrai jeudi prochain. Bah, jeudi de la semaine pro, quoi. Merci à Arctémist. Merci, McQueen. Arctémist offre un abonnement à la commu. Ou alors je me fais directement une base. C'est bien ancien. Il faut de la pierre. La pierre. Pas de pierre, pas de pierre. Il devrait y avoir de la pierre en face là-bas. Il y a énormément de petites maisons cachées dans la forêt. Il y a pas mal de bases là. Il y a un bateau. Est-ce que je me ferais pas un petit arcouille hein? Vite ZF. On va me faire un petit T1 aussi. Hein. Après, j'ai pas de tir pour me faire des flèches, quoi. Faudrait de la pierre. What the fuck? Mur HQ? Fondant en bois. Y'a pas de pierre dans la zone. Ah ouais, tu m'étonnes que ça décaille, frère. Tu m'étonnes que ça... Ah! J'ai envie de pisser. Putain, où la pierre? Ah bah enfin. Doliprane tiré bamante claque son prime. Merci Doliprane. Merci ma couille. Il y a une petite grotte là. Merci ma couille, merci Doliprane. Il est tôt, ma poule. Il est tôt. Les gens à cette heure-ci. J'ai ce qu'il faut pour build, hein. J'ai tout ce qu'il faut pour build, là.
J'ai une petite crossbow. Ça, c'est bon, ça. Il m'a fait peur avec sa crossbow. Des acteurs comme ça dès le matin. Ah yes. Faudrait que j'aille faire un peu de bois pour une TC. Ah petit voile, je fais pas but d'un château, je m'en bats les couilles, je veux juste une icombée. C'est tout. Là je peux une icombée et je fais pas la crocrobèse de d'habitude. Pour une journée, ça sert à rien, j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin de me faire chier. Je vais pas faire de multi-TC, je vais pas faire mes pics de d'habitude. Je vais juste faire un 1 sur 2, c'est tout. 3 portes. Merci Super Saiyan. Le frère il perd son temps à jeter tout par terre à la place de ce fight. Il est con. Mais non mais il mangeait Astra, il était full. Du coup les graines elles sautaient quand il mangeait. Il mangeait du maïs pour se régénérer. Le DLC est toujours dispo ouais. Merci ma couille. Merci ma caille. Thank you. Merci ma couille. C'est bien, j'ai 3 arcs, j'ai du close, j'ai 300 scrap, je suis bien. S'il y en a qui savent lequel DLC c'est, je me rappelle jamais lequel c'est. Je crois que c'est Frontières, mais je suis pas sûr. Il semble que c'est Frontières. On va me faire un Elgoon. Je donne pas d'infos de l'Ipranement, je suis désolé sur le serveur où je vais. En fait, à force, avec l'expérience, tu sais sur quel serveur tu peux aller pour t'amuser à une certaine heure avec le nombre de peuples qu'il a. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est en gros, fais-toi ton expérience, fais-toi ton jugé. Et c'est par rapport à ton gameplay et à ce que t'aimes que tu trouveras tes serveurs par rapport à ce que t'aimes. Comme la sensing game. Prenez pas la sensi des autres, cherchez celle qui vous plaît et qui est le plus adaptée à vous. Les serveurs, c'est pareil. Trouvez ce qui te plaît à toi. Et c'est tout. En vrai, même si je vous dirais le nom du serveur où je suis, ça se trouve, vous n'aimeriez pas. Et là, ils vont pas kiffer, ou il y en a d'autres qui vont kiffer. Enfin, c'est vraiment. Les goûts et les couleurs, quoi. C'est pas mal, hein. On va se faire un petit essai, quand même. Puis après, je vais me faire snap. C'est-à-dire, vous êtes mignons, gentils, mais il y en a, ça se trouve, ils sont pas gentils. Ça va, une seconde. Merde.
J'ai un peu de métal à fondre et tout. On va se faire un four aussi. On n'est pas loin du port en vrai. Eh bien. Y'a un mec qui se fait graille. Y'a un mec, y'a un truc qui s'est fait courser. Elle est trop bien cette porte. Laisse mes délines. Max que klaxon T1 et de 43 mois. Uber ressources, bonjour, ce serait juste pour moi. Je peux me mettre un lit par là. Logiquement. Il a pas pris la cosmo. Il est... T'as entendu une Tommy au port? Ah oui, d'accord. T'as un lance-roquette. Bon, roquette pour les hélico, mais... T'as un lance-roquette. Oh, mais lol. Bon bah j'ai un bed. Ça c'est really nice hein. Merci T Max. T'es pas un abonné toi. Ah, y'avait un mec dehors. J'ai entendu. T'es pas un abonné toi, on est d'accord. Ok, tu t'es abonné, mais t'es pas un abonné. T'as entendu un truc, hein? C'est encore pire, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas faux vu comme ça. Comment ça va, Makai? T'as retrouvé de la chance ou pas? On a un petit coup pas, hein. Ça tirait Tommy. Mettre un lit d'ailleurs là-bas. Non, les motos sont pas à bout non plus. Hein. Ça a failli mal se passer, mais ça va en vrai. Bah ça va alors.
Si on retourne les deux en karma positif, ce serait cool. Il y a une Tommy qui a tiré de ce côté-là. Hein. C'est quoi comme port ? Un cycleur là, du coup. Hmm. Ah, c'est ça. Hein. J'aime pas trop beaucoup ça. On va faire un duo avec T-Max, les gars, pour le lâcher dans, 30, dans 40 minutes. Dans 40 minutes, j'allais dire. Dans 4 heures. Un duo avec T-Max, c'est pour jouer 2 jours, tu vois, au moins. I'm going to see everything. Où vit la Tommy? On vient savoir où vit la Tommy là. Je vais aller voir bord de mer. J'ai vu qu'il y avait un bateau à droite. On va aller voir à droite. Si tu le promets, sinon il s'ennuie. C'est pas un chien. Je lui ai dit que je faisais une niche avec un petit standard. Nouvelle maison. Pas un chien. Non mais oh, y'a que moi qui ai le droit de me moquer de lui, ok? Ouais, je dois bouger. À vago. Avant que ça appelle les flics, c'est trop. Ouais, je dois aller acheter de la faïence. Presque fini les travaux. Normalement, les travaux, T-Max, j'ai fini. Si tout se passe bien. J'ai fini toutes les peintures. Il me reste. Là, il y a un bateau là. Ah, mais il y a l'Olrig en fait. Je me suis mis à côté de l'Olrig. Ok. Not bad, not bad. J'ai fini toutes les peintures, là on est en train de poser le sol. J'ai fini tous les enduits, j'ai tout poncé. On restera la petite finition peinture quand même, un petit peu à droite à gauche. Et voilà, le sol et le décor quoi. Et le décor, vous jouez un truc bien spécifique qui va prendre du temps à fabriquer tout ça. La Tommy doit vivre là. Ça va me prendre au moins une journée. Merde, j'ai mis ce clic. Ça va me prendre une journée de faire tout ça. Je t'enverrai des photos. Je t'en fous. Mais ouais, je t'enverrai quand même, mais tu t'en fous. Vas-y, t'arrêtes plus de me dire vas-y, je m'en fous, mais vas-y. Non, ça veut dire la Tommy, c'est soit celle-là, soit celle-là. Là, il n'y a pas de porte. Intrigue. Oh, fais chier. Oh. Je vais retourner à ma petite oxium, hein. Je vais avoir des clients là-bas. Je vais remettre des lits aussi. Les lits, c'est la base. C'est quoi là-bas? Il y avait des grosses bases ici. Ici, il y a un métro. On va aller voir aussi. On va passer à oxium déjà. C'est grâce à toi j'ai ma réponse. Bah je pense que t'as demandé quand est-ce que ce serait fini les travaux. Là je stream juste exceptionnellement aujourd'hui les gars, ce matin jusqu'à 1h. Après prochain stream jeudi. Donc si tu veux qu'on fasse un fresh ensemble jeudi T-Max, je pense que je serai dispo. C'était chaud. Voilà. Parce que ouais, mercredi j'ai fini mes travaux. Après le week-end je vais Oh, il y a un cheval. Je vais tout démonter, le setup, tout ça, tout trier. Ah, il y a un cheval. Ah, il y a un mec qui recycle.
Qu'est-ce ici? Personne qui recycle? Et il est tôt aussi, hein. 10h26. Oh, vous allez voir les grosses maisons. Ah mais je vais prendre le cheval, ça peut m'aider pour monter ça. Ah bah y'a un cochon qui est mort là. Un autre cochon qui est mort ici? Ah mais y'a un ours qui s'est fight je pense. Je vais faire pipi, ça devient urgent là. Mais je monte là. Du ceiling en bois. Belle base de cul quand même. Il dôme pas loin. On va rentrer, faut que j'aille pisser. La vieillesse, tout ça, tu connais. Ah t'es. Oh mais graille pas le fiac. C'est bon, je mets une claque son T1. Et de 8 mois. Merci Seb, merci Macoui. Ah, il pourrait aller faire pipi, moi je reviens les gars. J'arrive, à de suite. Petite pause pipi. T'étais malade? Non, je fais des travaux. Je déménage. À de suite. Libéré, délivré, comme on dit dans le jargon. Est-ce qu'on irait pas voir la grosse team? J'ai vu une grosse team là. Un peu de bois ou pas? Putain, j'ai pas de bois. Et pour ceux qui se demandent, je me suis lavé les mains. Je pourrais aller camper le port, hein, mais j'ai la flemme de camper. J'ai chopé un mec qui fait toute la route là. Je pourrais la faire la route, hein.
Et je préfère être celui qui chope le mec qui ferme la route que celui qui ferme la route. Il est en train de tuer tous les cochons, l'ours. Ils ont pas l'air d'avoir d'éoliennes, eux. Ils ont pas d'éoliennes. T'es sûr que t'as pas rangé tes coffres? Bah j'ai un coffre. Donc ouais. Hein? Ce que j'ai claque son prime et de 16 mois. Ok. Ah bah part. Ah les enflures, ils l'ont mis à l'intérieur. Comment ils ont fait? Batouille. Clic 3 refive claque son prime et de 22 mois. Bon courage pour tes travaux. Biceps contracté. Merci ma couille. Oh mais y'a un mec là-dedans. Un arc là-dedans. Compliqué de monter sans échelle avec un monsieur dedans quoi. De la bouffe pour Jean-Mille. Là j'en ai besoin pour moi mais j'aimerais bien que mon Jean-Mille soit de qualité. Celui-là il est asthmatique. Mais je me demande si je vais pas quand même réussir à monter parce que j'ai bien envie de tester de monter chez lui. Il est à l'arc. Peut-être le deep hein. Peut-être travail quand même hein. Je vais prendre la bouffe pour toujours être bien full bouffe pour pouvoir passer dans les pics. Oh. Y'a pas de chance lui. Lui doit vivre vers le phare. Je travaille de monter quand même. Ouais. C'est bien. Par contre, je suis pas sûr que de ce côté-là, je puisse. Bon, par contre, là, je peux. En fait, il était dedans, lui. Il dit pas dedans, il était dedans. Oh, merde.
quoi cette base de cul? Qu'est-ce que c'est que cette base de cul? Bon, après, quand même joli. Mais... Oh, y a pas une porte de verte. J'ai envie de chill. Jamais, hein. Y a pas de stabilité. J'ai l'impression qu'il y a un endroit où on peut rentrer dans le contour. Ah, j'ai rêvé, hein. Bon, c'est une belle base de cul, par contre. Bon, après, elle est quand même sympa, mais bon. Une base de cul. On va voler mon cheval. Bon, je suis pas d'accord. Bon, pas Jean-Mi. Pas Jean-Mi, s'il vous plaît. Ah, je l'entends, il est toujours là. Cool. J'entends des petites cannes. En haut à droite, mais à l'envers. Ouais, j'entends qu'il y a des forêts de lac et tout, mais... Même si je pique avec 5 signes, je peux rentrer un peu plus loin, mais je vois qu'il y a toutes les autres portes qui sont fermées. On va passer à Axiom. Y'a un mec, il va. Ah oui. Qui a tapé la route. Il n'a même pas le temps de poser son shelter. Ouais, c'est vrai. Pas les balles vertes, en balles rouges, on va les garder. Hein. Enfin, on va garder les balles rouges. On va en prendre quelques-unes, mais on va en garder quelques-unes.
Non mais c'est quoi ça? La citrouille est partie dans le cul de la terre. Bah où toi? Y'a un monde où t'arrêtes de rouler ou pas? Elle roule. Roule jusqu'à mon cheval. J'espère qu'elle va arrêter de rouler. Pile. Pile. Il va pas manger. Putain, c'est pas possible. Pas mal, hein, il était quand même pas mal gras en vrai. On va se promener avec Jean-Mir, on va essayer de buter des gens au fur et à mesure, on va faire les routes et tout. Il y a le dôme, pas très loin aussi. Je sache où habite le Tommy. On va le laisser là. On va aller voir au port. Je suis en recycleur, c'est rien ça. Je vais ramasser. Enfin, je crois. Ah, quand je cherchais de la pierre, il n'y en avait pas. Maintenant que j'en veux plus, il y en a. C'est le mec que j'ai tué au début, hein. Normalement, c'est quand je suis en cheval comme ça et pas discret du tout que je tombe sur une Tommy. Il y a quelqu'un qui est passé parce qu'il n'y a pas les caisses. Ah bah tiens, je viens de la trouver. C'est pas lui. Ou alors c'est lui, mais il doit vivre dans un shelter. Quelque part de l'autre côté de la route ici. C'est lui ou c'est pas lui, mais il a eu le temps de manquer, il n'y avait pas grand chose. Ah, je pensais vraiment que c'était ce jeudi la mise à jour avec la nuit et tout. Ah, j'étais content, je me suis dit, c'est cool, comme ça je peux stream un peu ce matin. Je vais voir un peu la mise à jour avec vous. Pas du tout. C'est la semaine prochaine. Recycler ces petites merdes là et on va aller vers le dôme. Pas de grosse team active à côté de chez moi, ça fait chier ça. Après ils vont peut-être se connecter hein. J'ai l'impression que la start sur laquelle on a essayé de monter là ici, c'est la deuxième la main, elle est là-bas.
Regardez, une plongée en vrai. Tiens, le rig à côté. Elle a été faite. Y'a un pipe et tout. En plus, normalement, je me fais pas baiser sur les mises à jour. Et là, je me suis fait baiser. Oui, tu peux voir, mais en vrai, t'es pas sûr à 100%. C'est... Y'a des trucs qui vont... Il peut y avoir plus de choses ou il peut y avoir moins de choses de ce qu'ils ont mis. Ça peut être décalé ou pas. C'est vraiment sûr que le jour de la mise à jour. Un mec. Merci. Je vais mettre un petit shelter au dôme. On dit deux clauses pour pas mettre un lit au dôme aussi. Ah, la belle base en bois là. Ah, le dôme est proche des airs. C'est nul. Le jeu est nul. Il y a un recycleur là-bas. Monter du côté recycleur en plus. Il y a une tour à la fenêtre là. En tout sûr qu'il y a quelqu'un, mais on va y aller, on va aller voir. Je vais me foutre un shelter. Pas habillé pour le désert. Ah. Vous venez d'entendre ce que j'ai entendu. Un coup de DB au dôme.
Non, je sais que c'est possible. Non. Putain de merde, j'arrive jamais à ce saut. C'est celui-là que j'arrive pas à passer à chaque fois. J'y vais en accroupi. C'est pire. Oh, la flash est dans cette base-là. Ah bah. Ok, t'es caché en bas en fait. T'es nul. Ouais. Essaie de le faire toi le saut, tu vas voir si j'étais nul. J'arrive jamais ce saut, jamais. J'arrive jamais. Il est très dur, c'est le plus dur du dôme. Par contre, lui, il est en train de regarder au-dessus du dôme, donc ça veut dire que peut-être... Oh, je me suis relevé. Sans 1 seconde, c'est chiant. Tu prends la barre qui remonte dans l'autre sens? C'est pareil, j'ai le même problème. En fait, que là-bas, je prenne celle qui soit comme ça ou celle qui soit comme ça. J'ai pas envie de monter par l'entrée principale où je passe sur un vieux... sur une vieille truc parce qu'on me voit facilement et on peut me tuer facilement. La seule technique de pouvoir passer sans se faire, sans être obligé de passer devant le trou, en faisant tout le tour du dôme, en faisant, en prenant le côté que je veux prendre. Mais le saut est hyper dur. Et dans tous les cas, le mec était pas du tout où je pensais. Je pensais qu'il était en haut et ce con était en bas. Là, je vais faire un DB crossbow. Il va me donner l'info, lui. Oh. Achille. Mais j'allais voir le raid hein. Le raid était... voilà. Et des biens. Les pseudo les gars, tu te repères au pseudo.
Réaction vers Simakoui. Heureusement, il y avait l'autre mec Nelgan, il m'a mis bien. J'ai l'impression que ça raide la base au bord de l'eau. Ça raide clairement la base au bord de l'eau. Oh, mais ils sont combien à raide là-dedans? Esprit tiré bas vif, claque son T1. Et de 12 mois. Oh, il a de la chatte! Je suis pas allé du bon côté. Ah, fais chien. Ah, il a de la chatte. J'aurais dû direct run sur le deuxième. Ah, si j'avais eu les balles rouges, je l'aurais tué. Mais chier, je l'ai pas fini le deuxième. Le premier, pardon. Ah, ça arrête ça là. J'ai essayé à 5,5 HP. Balle rouge, je le tue. Ah mais attends, son pote, je l'ai tué, hein, parce qu'il est en train de revenir naked, là. Ils sont que deux, j'ai l'impression. C'est bien, ça. De deux, ça se fait. Avec eux. Oh merde. Putain. Oh, mais vas-y! Deux têtes, quoi! Ah là, le deux jours, c'est mort. Hein. Deux jours, c'est mort.
Ah, fais chier. Ah, oh, ils sont nuls en plus. Après, à mon avis, ils vivent par là. Si j'arrive à en choper un qui est en retard, je le tue. On s'en a un, je suis son pote, il y a un bail à faire. De toute manière, s'ils ressortent, c'est que du côté là où ils sont arrivés. Côté où moi je suis arrivé aussi. Donc concrètement, pour moi, ils vivent par là. Je vais essayer de me cacher par là. Le problème, c'est que s'ils longent le bord de mer, je suis mort. Crasse, si je tuais le deuxième, c'était masterclass, là. Ils n'ont pas de sac à dos, j'ai l'impression. Ils sont peut-être obligés de revenir, en vrai. Pas s'il. Qui se barre là, non? C'est un hacker. Oh putain, il part de l'autre sens. Il part de l'autre côté. Et je vais chercher les restes, hein, ils ont pas pu tout prendre. Des DP2, des trucs comme ça, des DB. Ah putain, ils vivent de l'autre côté. Merde. Il y a un supplice qui tombe à gauche en plus. Oh putain. Ils ont rien eu. Bah, exprès que je le tue, comme ça ils vont peut-être se connecter. Alors niquer leur raid. Par contre, s'ils re-rentrent, ça veut dire qu'ils re-rentrent peut-être de l'autre côté, je vais regarder. Ils sont un bateau. Non, il rentre de mon côté. Ça va le bateau? Je m'attendais pas à ça. Ah, ils ont pas assez de bas expo. Hein. Ils n'ont que deux portes. C'est vraiment en bois, ouais, c'est de la paille. Mais c'est pas sur, sur la bonne porte. Je peux pas faire grand chose, hein. Oh merde.
C'est glissé, c'est chef. Le truc, c'est qu'ils sont même pas côté désert. Je vais voir côté dôme, c'était pas mal. Dans l'endroit intérieur, vers le centre, sur le mur, en fer, couleur vert, à péter peut-être. Et en bois renforcé ou en paille, les gars? Si c'est en bois renforcé, on peut pas péter. C'est en paille, oui. Ils sont partis où mes clous? Tu les as mangés, dude? Je pense que c'était pas en paille, hein. C'est en bois renforcé. Je peux rien faire. Pas d'épée. Bon, il y a la machette, mais... Kounaisi, ouais, ça va, ma queen. J'ai perdu ma crossbow, mais je vais en avoir une autre. Hop. Bah non, je l'avais pas pris ma crossbow. Oh, c'est cool. Presque sûr que les mecs qui raident viennent de cette base là. Celle-là. Ouais, viennent de celle-là. Je peux rentrer. Ça se trouve ils sont FK crafting parce qu'ils craftent des C4 ou quelque chose. Il y a tout leur four qui tourne. Je me dis il y a moyen, je peux monter hyper facilement. Rentrer chez eux. Et me barrer. Prendre tout ce qu'ils aient. Donc c'est de la paille. Je dis pas de bêtises. Moi, je propose. Tu fais un clip. Tu vérifies. Tu regardes. Tu zooms. J'y retourne pas pour... je veux un screen. T'es les mecs en vont pas trop, quoi. Ah, ils sont repartis là-bas. Nice, ça veut dire que je peux rentrer chez eux. Ça, je leur vide tout leur four. Ils sont pas chez eux. Et après, je vais les deep. Enfin, je vais les... Après, je les attends chez eux, après. Je les attends chez eux et je les bute. Moi, je pense que c'est bon call. Madame-Baclic-Klaxon T1. Et de 2 mois, quand est-ce qu'on wipe poulet que je t'apprenne à jouer au jeu? Quand tu veux, j'ai pas peur. Je suis prêt. Hein. Merde. Je vais dépêcher, pour revenir. Quand tu veux. Quand je peux surtout. Oh, putain de merde. J'aurais pas assez de bandages. Je vais essayer quand même. Mais je pense pas que je passe. Non, je passe pas. Ah, fuck you! Ils ont juste pété une porte de garage. Si je pouvais monter ici. Je peux pas monter ici. Fuck!
le seul endroit où je peux monter, c'est là, mais... Quoi? Mais non. La fuite directe. Ah oh, le chien. Jasmin, c'est eux en plus qui raident. Ah oh, le seum. Ah il m'a entendu je pense, mais j'ai fait exprès de pas vider les fours pour pas qu'il, tu vois. Pour pas qu'il me, tu vois. Pour pas qu'il se pose trop de questions en arrivant. Il s'est pas posé de questions. Ça c'est gênant. Moi j'aurais bien aimé qu'il se pose des questions. La strat était bonne hein. Le calcul était bon Kevin. Je suis un peu triste là. Me faut le DB. Ah j'ai déjà quelques BP. Oh, genre assez pour le DB en vrai. C'est métal qui a manqué. Bon bah les coups j'en prends 4. 4 balles rouges et ça devrait le faire. Je vais aller camper le raid. Hein. Je pense que c'est le mieux à faire. J'ai l'impression qu'il n'y en a que un qui est rentré, donc il y en a encore un là-bas. Il a vu sauter par la fenêtre? Ouais, je pense aussi. Hein. Bah, je pense que c'est soit il a vu la paille, soit il a vu un des trois trucs. Par contre, ça veut dire que je peux rentrer très très facilement chez eux. Il n'y a pas de tourelle. Donc, je vais d'abord camper le raid, après je les tue, je vais les camper eux. Eux, ça va être la target de la journée. Je pense. Ah, je suis des bébelles rouges. Et il y a moyen que ça passe bien. Ça vient de tes clés, ça, par contre. Hmm. 20 HP. Le docteur 01 claque son prime. Merci, le docteur. Merci, ma couille. Il y a un mec sur la paille. J'essaie de rentrer. Je vais chercher les bas expo. Faut que j'attende qu'il bas expo que je rentre. Chier. Soit j'attends qu'il rentre, soit je me mets au niveau de la montée, comme ça son pote je le tue. Je prends son arme et je tue celui d'en haut. Ça fait 1h30 que j'ai wipe, ouais. Oubliez d'être patient. Ils
Donc 2 et tiens. Ah bah nickel, il y a son pote qui est rentré. On tire et bah explo. France. Crossbow. Qu'est-ce qu'il fait crossbow l'autre? C'est mis dans le dos, non? Un pipe? Ah merde. Merci, merci Diego, merci Macoui, merci beaucoup. Tu meurs pas! Quoi? Mais comment tu survis? Comment? Les balles rouges! C'est trop! L'autre il a pas de balles dans sa putain de semi, c'est... J'ai vraiment pas de chance. Tiens, tu me donnes des balles dans la semi, je te tue 40 000 fois. Il m'a même pas tué avec le DB, frère. C'est impossible. C'est impossible que je le laisse à 10 HP, c'est impossible. C'est impossible que je le laisse à 10 HP. Impossible. En plus, l'autre, il va se relever. La poisse du thé. Putain, mais il fallait qu'il vienne sur le live me la redonner, la poisse de merde, là. Putain, mais c'est quoi cette merde? Rally, ça fait 2 fois que j'essaie de le buter, lui. 2 fois que je le laisse à 9 HP. Je suis balle rouge, hein. J'ai mis 2 coups. Une balle dans la smiche, je le tue. J'avais rien, j'avais juste le DB. Ah, j'ai vraiment pas de chance, hein. Non, mais deuxième balle, tu t'es loupé un peu. Mais déjà, rien qu'avec la première, il aurait dû die, en fait. Je suis balle rouge. Orlando 342 klaxon T1 et de 13 mois crolé hello crolé hello. Ils sont déjà partis quoi. Juste Wounded à chaque fois, c'est pareil. J'ai pas le temps de le finir. Ça, le problème, c'est que j'ai pas le temps de le finir. Ils ont fui face à ton level. Non mais non, il y a pas de ça. Ça fait 14 fois ils font ça.
J'ai même pas fait de Lena. Mais c'est pas normal qu'il meure pas. Il m'a même pas touché lui avec son DB. Il a tiré deux fois avec son DB, il m'a pas touché. Il a un level de poisson. Ils reviennent, je peux aller jouer contre Pondbo, mais... Faut pas que je les rate, quoi. Même s'ils sont deux. Je me mets là, qui descend. Il va descendre, il va m'arracher la tête. Faut mieux que j'essaie de les buter quand ils montent sur leur bord. Par là. Quoi? Comment t'es monté, toi? Quoi? Quoi? Je m'en bats les couilles de crever, mais là, frère, t'es pas monté que normalement, toi, là? Il est monté ici? Il a fait ça? Oh, putain! Ok. Ah bah... Yes! Et bien ce skin. J'en pensais à pas le mettre sur ma maison. Je sais même pas comment qu'on pouvait faire ça. Ça veut dire là? Ah ici? Si je fais ça? Ah non, c'est parce qu'ils ont mis un petit truc électrique. Ok. Du coup tu mets un truc électrique pour empêcher les gens de monter, mais on peut quand même monter. Ah, ils vont revenir dans 4000 ans, ça me saoule déjà, j'en ai marre d'attendre. Je vais me recrafter un DB. Je vais taper du métal pour me faire un DB. Je vais les attendre au DB. Ce sera mieux. Ah, c'est le truc bleu, ouais. Non, je vais me refaire un DB. Je vais taper un peu de sulfure. Je vais faire fondre du sulfure. Et je vais attendre. J'ai un DB en mousse moi aujourd'hui. Enfin, il y en a un, je comprends pas, je le one tap. Le deuxième, il veut pas crever. J'ai une pickaxe, peut-être que ça suffira pour la fondation que j'ai vue. Là. Je crois qu'il y a plus de fonda. Ah, il y a encore la fonda. C'est tellement low la pickaxe. Deux fois le même en plus, ouais. Je sais pas si c'est son casque. Pas. Il y a peut-être un truc dans cette fonda. On va rentrer, il me faut du fer. Si je veux me faire un autre DB, il me faut du fer. Il me faut un peu de gunpo. Je vais revenir avec le tac-tac et j'ai pété cette fois. J'ai juste le BPDB. Ah, j'ai les balles rouges. Oh, yes. J'ai juste le BPDB, j'ai du BPT1. J'avais déjà commencé à prendre un peu les échelles, tout ça. J'ai déjà les échelles, donc je suis déjà venu sur ce serve. Sinon, essayer de trouver une base avec Corred. Bah, je vais péter cette base-là. Après, je vais farmer un petit peu pour... pour pouvoir me refaire un DB. Et counter les mecs qui m'ont...
Oh lui il est full. Lui il est full. Putain, j'ai pas de... Pas de crossbow devant moi. Ah, il se fait graille. Oh putain, il se fait pas graille. Il est où ce con, putain? Oh, il est pas passé loin. Si je le touche là, je m'arrache une couille. Putain, il a eu de la chatte lui, hein. J'avais pas de crossbow. Faut une crossbow, hein. Je perds trop de temps à recharger cette merde. Ah, il farmait, lui, il avait tout pour build. Lui il avait fait toutes les compos, c'est sûr, il avait fait le port et tout. Oh. Prendre mon tac-tac, taper les cailloux sur la route, je vais me faire une crossbow par contre. J'ai l'impression le raid là, ils ont plus trop de sulfure. J'ai le temps en vrai. Oh, du métal, j'en ai, hein. C'est de... Du sulfure que j'ai pas. Je vais retourner les voir au DB chez eux directement, je pense. Hein. Je passe au raid, j'attends un peu, je pense. S'ils viennent pas, je vais chez eux. J'espère que la Fonda elle aura pété hein. Ah elle a pas pété hein. Oh t'as pas loupé grand chose ma copain hein. Oh fuck. J'ai pas tapé au bon endroit au début.
Ça va, elles sont pas longues. Sur tes live tap. Ça va, elles sont pas longues sur tes live tap. Ah les pubs. Ah elles sont minimum. J'ai eu un saignement de nez. Ah l'épée. Et pourquoi abréger? C'est un mot avec trois lettres. Moi je pense que abréger c'est à partir d'un moment où le mot est long. Et quand il est court. Ah frère, laisse les lettres entières. T'es quoi, même t'es pas obligé de mettre de S. Ah car le mot est banworld. Ouais mais moi je le vois quand même. Ici on parle pas de sujet qui fâche. Oh j'ai mal partout. Putain, j'aimerais bien qu'ils viennent finir leur raid là, que je les tue. Et que quand ils finissent leur raid, j'ai ATC, j'ai tout. Ce serait magnifique. En vrai je pense que si j'ai pas réussi à les buter, c'est pour ça. C'est parce que... Putain, il n'y avait rien dans cette base de cul. Je m'en doutais. Et imagine si j'avais attendu tout ce temps dans la base là. Ils ont raid. Putain que ça aurait été long. Je pense qu'ils sont partis taper du sulfure là. Je fais quoi? Est-ce que j'attends dedans au DB? Ils vont forcément revenir. Ah, c'est les Toyo qui vont me manquer. C'est les Toyo qui vont me manquer. J'ai vu une base qui a l'écaille. Il est passé avant quand même. Ah, c'est sûr, l'autre il est passé, celui que je voulais tuer là. Le base là, elle décaillait pas tout à l'heure. Oh, j'ai raté un truc cool là. Hein. Ah, c'est sûr, il a tout eu là-dedans. Je pense qu'on va prendre notre mal en patience et je vais aller attendre au raid les gars. Parce qu'en vrai là ça fait déjà un bon moment, je pense qu'ils vont pas tarder à revenir. C'est con de pas y aller. Donc, si je me cache au bon endroit, il y a une descente, je peux les aligner. Par contre il faut que je tue le fort au début. Et c'est marrant parce que le fort il est pas stuff. Et le pas fort, il est stuff. C'est pas logique. Essaye de leur acheter deux. Bah frère, le temps que je fasse la T2, on finit le raid. Hein. Bizarre.
l'impression qu'il y a déjà quelqu'un qui a fini le raid. Un bunker. La porte est à 196 HP. Ils vont forcément revenir. S'ils passent, ils vont passer par là. J'ai juste à faire. Taf. Taf. Je me disais, sinon je les laisse rentrer. Je les laisse Vexplo, je me cache ici, comme ça. Vous en pensez quoi? L'idée est bonne? Caché nulle part d'autre. Cache là. Une vidéo YouTube, Crowley demande si c'était les vacances scolaires. Je pensais que c'est les viewers étaient plus jeunes. Non, moi mes viewers ils sont entre 20 et 30 ans. Ils sont revenus pour finir le raid. Ils n'ont pas assez pour finir, ouais. Je tombe pseudo à travers. Ouais, il y a moyen. Baisse la tête. Entre 20 et 40, ouais. 30, c'est pas jeune. On va dire que c'est... C'est plus réfléchi quand ça écrit dans le chat, quoi. En dessous de 20, ça pose des questions sans réfléchir. Plus souvent, on va dire. Regarde le mur à droite. Ouais, bah j'ai regardé, hein. Il est beau. 90 Meran, exactement. Merci Pato Ketchup, merci Makoui. Pato Ketchup 24-Bac, l'accent T1. Et de 3 mois. Ah bah je sais ce qu'on va faire le temps qu'ils arrivent, les gars. On va parler du sponsor du stream de ce mois-ci. Le sponsor, vous connaissez. C'est Allscan. Hop, envoyez des montres. M'envoyer plein de cadeaux. M'envoyer plein de cadeaux, il m'envoyait plein de cadeaux. Voir paille. Mais la paille, elle me mène à rien, ma coup. Petite montre, mi-bois, mi-métal. Je sais pas si on la voit bien là. Mi-bois, mi-métal. Celle-là, c'est du kiffi 50-50 bois métal. N'oublie pas le code Crowley, les gars. C'est 15% de réduction, je crois. Et petite montre. Presque tout en bois, c'est ma préférée celle. Et de 4 mois, ça va crocro. Et moi je kiffe, hein. Vous connaissez, hein, j'étais menuisier avant. Forcément, m'a proposé l'OP, j'ai dit ah oui je veux bien des montres en bois. Oui. Et du coup pour un Saint-Valentin, il m'a envoyé un pack complet pour ma petite femme. D'amour. Avec du collier, du bracelet. Elles sont propres, elles sont super jolies. Du collier, du bracelet, des boucles d'oreilles. D'ailleurs, pour l'instant, c'est moi qui les ai. Du coup, je peux pas les mettre, quoi. Oh, focus. Il y a des trucs pour les femmes, hein. Il y a des trucs pour les femmes, des trucs pour hommes, il y a tout, il y a même des... Ah oh non, ça c'est chiant à ouvrir. Hop, ça c'est les boucles d'oreilles. Non, c'est chiant, après, faut que je remette dans un petit sachet. C'est relou. Hop, petit collier ou bracelet, je sais pas lequel c'est, je crois que c'est le collier. Tout dans le même style. Très joli. Très joli.
Les petites boîtes en plus elles sont sympas, elles sont toutes en bois. Aimantées. Quand tu veux les ranger, clac, ça se met tout seul. Merde, il est pas dans le bon sens là. Hop, ça, ça doit être le bracelet. Ça. Même style que. Que collier. Moi j'ai un code promo. J'ai un code promo. Ça c'était pour la Saint-Valentin. Elle était contente, hein. En fait, des montres. Après, faut aimer. Faut aimer le bois. Y'a pas de commande, je crois. Y'a juste, c'est juste le message qui s'affiche. Ma couille. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a vite fait. Et après, on ira coup de mois. Alors. Tac. Ok. On est bon. Alors, vous avez. Femme, homme, des montres, des bijoux, même des sacs à main en bois. Ça, c'est le truc que je trouve le plus marrant, c'est les sacs à main en bois. Même les sacs à main, je trouve ça joli. Mais après, moi, j'adore le bois, donc forcément... je veux dire que chez moi, il va y avoir du bois. Dans le décor, il y aura du bois aussi. Des montres pour hommes. Non, non, là, je suis dans les femmes. Il y a de tout. Il y a de tout type de bois. Il y a du noyer. Il y a de tout. Il y a de tout. Ça, c'est un peu du noyer, ça. Il y a du vingué. Non, c'est peut-être plus ça, le noyer. Il y a tous les goûts. Tous les goûts, les gars. Des petits bracelets pour hommes aussi. Du bois mi-métal. Très joli. En plus, ça va. Donc, t'en as 99€, t'en as 80€. T'as tous les prix. Ça peut aller de 80 balles à 150 balles. 47€ celui-là. T'as des promos et tout. Et une aide de soleil. T'as vraiment de tout. Les chemises en bois. C'est un concept. Je vais leur en parler. Pour homme, tu vois, t'as un peu de tout, t'as aussi du métal, avec juste une petite touche de bois, t'as pas forcément full bois, tu vois. Moi, j'aime bien full bois. Tu vois, celle-là, c'est... Il y a très peu de bois dedans. Celle-là, il y a full bois, celle-là. Celle-là est jolie, d'ailleurs. Ah, j'aime bien celle-là. Là. Très jolie, celle-là. Du bois un peu avec de l'aubier, là. Je sais pas ce que c'est comme bois, celui-là. Ouais, tu prends un petit bracelet qui va bien avec. La passe crème. Ah, il est sympa, celui-là. Même les colliers, tu vois, colliers pour homme, ils sont stylés. T'as de tout. Pour des petits cadeaux, pour anniversaire, tout ça. Même juste un cadeau comme ça pour compagne. Hein. Ça fait toujours plaisir. Donc faites-vous plaisir avec le code promo, les gars. Ah, moi, j'aime bien, je trouve ça fait classe. Bon, ils ont pas l'air de revenir, je vais pas attendre 3 semaines. Hein. Par contre, ça pétait. C'était chez moi, là. Oh, ça pétait vers chez moi. Je suis pas sûr, mais il me semble que ça pétait vers chez moi. J'ai vu un hélico aller par là. Je me demande si c'est pas l'hélico qui a raid. Je vais aller voir, j'ai pas bien sound. 399€, ça dépend de ce que tu choisis. Il y a de tout comme prix. Ah ouais, effectivement, c'est là que ça arrête. C'est l'hélico. Oh merde, il y a un mec sur le top. Rentrer discrètement. Quoi? Ah, c'est Dion.
Oh mais vas-y. J'ai vu le mec en haut mais... Je voulais pas le tuer tout de suite, je voulais essayer de monter. J'ai des balles qui font de la mousse là. Enna. Oh non mais... Ça se tient. Foncero tiré baso klaxon T1. Et de 14 mois. Je vais juste avec un arc. Il y a un Elgoun. Hein. C'est pas là que ça raid. C'était chez lui, j'ai entendu les portes s'ouvrir. Vas-y, mets un one tap au pipe. Après, j'étais naked aussi. C'est pas naked. C'est ce grenouille en plus. Moi j'ai un DB, je mets deux coups, je tue pas, lui au pipe, il one tap. C'est honteux. Ouais, j'ai peut-être pas mal de ping. Peut-être pas choisi le bon serveur aussi. Ouais, je me suis connecté à l'arrache. Hein. Vas-y, au pifomètre, paf, allez, suivre. Après, normalement, le ping ça me dérange pas plus que ça. Hein. Tant que je dépasse pas les 150, je vois aucune diff presque. Tout à l'heure, le mec que j'ai pas réussi à tuer deux fois, ça a rien à voir avec le ping. C'était juste parce que j'ai pas mis assez de balles sur lui. Sauf balle rouge, hein. La deuxième fois balle rouge, j'ai pas compris. Il aurait dû die. C'est pas possible, ça arrête pas là-bas du coup, je comprends pas. Ça arrête où? Lui, il joue clairement l'Olrig. À la spawn, d'ailleurs. Un petit DB à l'Olrig, ça ferait pas de mal. Il est parti, je pense. Ah bah oui, l'autre, il a build. L'a tué. En train de tac-tac. Ah fuck. Ah il m'a tendu. Qu'est-ce qu'il brûle? C'est son pote? Pas possible, c'était pas son pote, il campait. Il me faut du... Il me faut des pipes. Il me faut des pipes. Oh non, pas l'arc, hein. Ça me pète les couilles l'arc. Ça va 5 minutes une clé d'arc. Hein. Ça va 5 minutes, ça va 5 minutes. Hein. Je suis pas full vie. En personne, c'est clair. Tu me régènes. Il me faut des toyos. J'ai plus de toyos pour me faire des DB si je veux aller à l'Olrig. J'adore le skin de la porte aussi. Mais un skin de porte, tu vois à travers et en même temps il fait de la lumière. Meilleur skin.
Non, du coup les autres ils sont pas venus finir leur raid. Là, j'aurais pu attendre 3 jours là-bas. Fuck. Choc 5858, claque son prime, et de 15 mois. Je vais un petit coup port pour la nuit. Comment vas-tu aujourd'hui? T'as pas besoin d'une config à 6000 balles pour jouer? Juste pour jouer? Ah non, une config. Une grosse config juste pour jouer, 2000 balles. Juste le PC. 2000 balles, t'as une bonne config. Très bonne config. T'as plus de 100 FPS sur tous les jeux en 2K. Bien choisi la config. Une config à l'arrache que t'achètes à Leclerc, à 2000 balles, t'as une petite boost quand même. 2000 balles à Leclerc, tu te fais bien enculer quand même. C'est AMD qui chauffe. Et moi, mon PC, je suis AMD, il est à 40 degrés grand max. En chaleur, il monte que dalle à chaque fois. Peut-être pas beaucoup, 40. Il est congelé, mon pros. J'ai mis au congèle. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, mais... Oh non! Oh comment il savait! Oh! Crie-le l'ours! Fuck! Je peux me faire un. Ah si, je peux me faire un Elgin. Oh, ça n'a vraiment pas de chance là. Ah, il a allumé la lumière au mauvais moment. Ah si je vivais plus contact au port. Ok, chiant quand il y a un port et une uxium à côté. Là, je suis trop loin. J'aurais eu ma base là, sinon. Je suis déjà sur le fait, là. Ils ont pas de flashlight, hein. Un mec mort ici. J'ai entendu. J'entends les mouches.
Oh, je l'avais bien arraché, lui. Deuxième, j'ai mis juste une flèche. Quel dommage! C'est où j'avais vu un mec mort ici? Par là, j'entendais un truc faire comme des mouches. Il est mort dans le coin là, non? Y'a rien qui est mort? J'ai entendu des mouches. Ah, je me suis douché, hein! Monte toi-même ton PC et que l'esthétique n'est pas ta prio, 2500, tu as une machine de guerre. Exactement. En vrai, l'esthétique, on s'en bat les couilles. Hein. Enfin, moi, perso, je m'en bats les couilles. Hein. À un moment, je devais changer de barrette de RAM. Elle dit, oh, par contre, je peux pas te mettre des RGB. Je dis, oh, franchement, je m'en... Voilà, quoi. Bon, bats les couilles que ça brille la nuit. Hein. Moi, je veux que ça arrache des nuques. Hein. J'ai envie de retourner voir les mecs là-bas. Essayer de monter chez eux. J'ai rien à perdre, en vrai. Toujours pas de toyo. Les nail guns, c'est un peu pourri comme idée. Il y a eu que des PC portables, ils ont fini par cramer du coup. Tu as tourné sur Xbox. Avec tous les PC portables que t'as cramé, t'aurais pu t'acheter une machine de guerre. Et puis PC portable, c'est vraiment pas ouf. Hein. Après, 2000-2500 balles, c'est une machine de guerre. Hein. Tu peux avoir un PC moyen qui se débrouille sur tous les jeux à 1700-1800, je pense. Ils sont pas revenus raides. Hein. Ça respire pas, puis les composants ils sont voilà quoi, c'est la même chose quoi. Forcément ils sont plus petits, on peut pas avoir la même performance, c'est pas possible. Je pense pas ils vont laisser leur four tourner. Hein. J'ai rien à perdre là, j'ai un stock grenouille et un Elgun, je vais essayer de rentrer chez eux. Non, 1600, tu peux avoir un bon truc. En dessous de 1000, non, je pense pas. Pas un très bon truc. Mais au-dessus de 1500, dans les 1500, entre 1500 et 2000, tu peux avoir un truc pas mal. Vraiment pas mal. Zeratorio, klaxon T1. Merci Zeratorio. Et de 18 mois. Merci ma couille. Salut Crocro. Non, 1000 et en dessous, ouais, faut pas se mentir, c'est des pannes. C'est-à-dire, au début, si t'as que ce budget-là, bon, bah, ça dépanne. Et tu seras toujours mieux que sur console, je pense. Enfin, les 1000 balles. Et encore, même pas sûr. Merci, Frézy. Merci, ma couille. Merci ma cool. Merci mon petit poulet pour les deux subs. Merci Guise pour le sub et Freezy pour le sub à Fastario. 00 offre un abonnement à la commu. Ah non, comme ça, ouais, non, mais ouais. Comprends. Eh, mais leur four vient de décailler à eux. Bah, leur four? De leur start.
Attendez quoi? Ah, je pouvais attendre pour le raid. Y'a un truc là. Je pouvais attendre pour le raid. Là, je pouvais attendre toute la semaine là. Ils ont commencé un raid, ils ont pas les ressources, du coup ils sont partis se coucher. Ou au travail peut-être. Allez, midi moi. Oh. J'ai mal partout. Je vais voir un recycleur là-bas. Putain, c'est honteux de commencer un raid et pas le finir. Ah, il y a un mec en haut du dôme. Y'a un mec recycleur aussi. Y'a un mec tête de loup là. Oh. Là, je tiens. Il avait un burst sur son arme, non? Il avait pas un petit burst? J'ai cru me faire burst la gueule là. Bon, faut vraiment que je fasse un peu de compo. J'aurais de quoi me faire des flèches sur zone, hein. Putain, j'ai pas tué le bon en plus! J'avais vu la tête de loup, mais je pensais pas qu'il allait être semi. Y'a un mec qui a fait les zips. Je crois. Celle-là a été faite. Il y a des trucs par terre. TV, klaxon T1. Et de 30 mois. Hmm. Merci ma couille. Merci pour 30e mois. Enlever la pluie. Je vais voir un peu par là, tiens. Merci Torquet. Go faire un start à poste. Non, bah là, il me reste 40 minutes à jouer, les gars. J'ai dit aujourd'hui, j'ai arrêté à 1h. Après, faut que j'aille à Leroy Merlin, faut que j'aille chercher le carrelage, faut que j'aille annuler les commandes. Et faut que j'aille finir mes travaux. Chat, que ça se finisse, j'en ai un peu marre, là. J'aimerais même faire un petit raid déco là sur une base en bois, mais. Les débilus raritus se font rares en ce moment. Ouais, comme faire des flèches. Bah, la pluie, elle est vite revenue. Y'a quoi par là? Y'a rien. Je pense que je vais plus partir par là. Jours, 9h30 de taf pour un montage. Ça, c'est pas facile, ça. Oh, le mec de tout à l'heure qui s'est installé, c'est peut-être installé par là. Hein. Oh, il y a un mec qui farme au-dessus. Putain, j'ai pas de flèche.
Parfait, j'avais plus de scrap. J'ai plus de bois non plus. On va me refaire une petite crossbow. Les acteurs, ils se sont perdus, hein, parce que j'habite là-bas, moi. Là-bas. Voilà, là. C'est quoi ces acteurs en carton, là? Obligé de marcher. Avant, ça venait directement devant ma porte. T'es perdu ou quoi? Attends, le loup. Je me fais une petite tête de loup, mais... Alors, passer contacteur cyclaire, il me faut des toyaux. Pas possible, le loup, dégage. Peut-être des shelters que je pourrais péter par contre. Coup trop calme ici, hein. Merdeur. On parle pas de travaux. C'était papa en juin. La chambre de la petite affaire. Oh bah ça va, t'as juste une chambre à faire. Une chambre. Moi j'ai refait tout un appart en une semaine. Enduit, peinture, tout. Un frère qui est soi-disant venu m'aider. Et c'est quand même moi qui a fait toutes les peintures. Monsieur prend du temps pour faire une belle cuisine. Ok, la cuisine est belle, mais quand même. Aujourd'hui, la ponçage, la peinture, tout seul. Ok, la cuisine est très belle, par contre. Une petite photo. Une petite photo, tiens, aujourd'hui, tiens. Sur Insta. Pas de clou. J'ai entendu un mec se faire régal par un bot. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait les compos. Sûrement le bot qui était juste derrière moi. Lui là à gauche. Je le vois pas. Je vais retourner au port, hein, c'est là où j'ai vu le plus de mecs stuff. C'est vrai que j'aurais vu le rig, je me serais pas mis à Oxium. Je me serais mis au port. Parce que les mecs qui vont à le rig, ils vont aller direct au port après. Au phare, il y a déjà une team. Qui a fait une sieste. Ah papy. Ah bah c'est un vieux, donc forcément il fait une sieste toutes les demi-heures, il fait une petite micro-sieste. Croiser un seul mec hors cycleur, mais à chaque fois. Ah, il y a les caisses, c'est pas bon signe ça. Mais à chaque fois, il y a les caisses de fête. Je me dis, il y a forcément quelqu'un qui doit passer ici.
J'ai, il y a les Tommy de tout à l'heure, mais je pense pas qu'elles se seraient arrêtées recyclables, elles sont venues juste pour la carte. Les peintures, j'ai pas pris bas de gamme. Hein. Pas con. Hein. Tu prends du bas de gamme, tu mets 14 couches. Hein. Non, j'ai mis 2 couches, ça suffit. Une couche de primaire, 2 couches de peinture. Après, je me suis pas fait chier, j'ai fait du blanc. Mais je me tâtais pour mon décor. Je sais pas si le mur sera blanc. Je sais pas encore. Les couleurs, je sais pas encore. La cuisine, c'est quand même un truc qui est utile. Non, mais surtout, il l'a super bien fait, parce que... De base, par exemple, on avait... On a genre 2 meubles hauts et 2 colonnes et 3 meubles bas, un truc comme ça. Et sur chaque côté, il a bien mis les filières et tout. Il m'a rajouté une étagère sur tout le long de la cuisine, côté fenêtre. Il m'a fait des étagères sur le côté, alors que normalement, il n'y en avait pas dans la cuisine. Mais tout ça avec ce qui restait de la cuisine, tu vois. Et ça fait super propre. Même fait une feuillure et tout pour pas qu'on voit les champs. Il a bien fait. Renapa, c'est exceptionnel. Normalement, je stream pas le vendredi, mais là, c'est parce que je fais les travaux et c'est le seul jour où j'avais le temps de stream un petit peu ce matin. Je me suis dit, vas-y. Moi, j'attends le mur écran qui charge la couleur à volonté en fond d'écran. Oui. Non. C'est quoi, mon frère? Il est menuisier. Donc forcément... Moi, ça fait 4-5 ans que je fais plus menuiserie. Et puis, j'ai pas le matos. Lui, il est venu, il me file un coup de main sur la menuiserie. Là, il a une porte de placard à poser, genre de truc, tu vois. Par exemple, les placards dans les chambres, il ferme pas très bien. Il va me les réparer, il va me les mettre bien. Les fenêtres, il va bien toutes me les régler et tout. Là, ce matin, je lui dis, tu vas vite fait ou pas? Parce que je lui dis, aujourd'hui, c'est un peu repos. Repose un peu, demain on y retourne, dimanche on y retourne, tu vois. Parce qu'aujourd'hui j'ai plein de rendez-vous, j'ai plein de trucs à faire. Même lui il a des trucs à faire aussi. Me dis pas que je vais attendre ici comme un con et quand je vais partir, il y a quelqu'un qui va venir. Non, c'est sûr. Je vais voir un peu le côté gauche. Hein. Un bateau à gauche en plus. On finit à 1 heure. Plus ou moins 1 heure. Après, faut que je mange et après, je me casse. J'ai des trucs à acheter pour le chantier. Pour le chantier, il me faut la faïence parce que j'en ai plus assez. Il me faut plein de petites bioles, des trucs de déco, des trucs comme ça. Et aussi... Oh, le mur en bois, là. Et aussi, je vais commencer à regarder pour le décor, quoi. C'est ce truc que j'ai pas commencé. Déjà, il va y avoir du bois dans le décor, c'est sûr. Mousse acoustique, non, ça sert à rien, les mousses acoustiques, c'est de la merde. J'ai du placo phonique, j'ai l'isolant phonique, pour qu'on entende ce qui vient de l'extérieur. Et pour les murs, si tu veux pas que ton mur il fasse écho, mets de la déco. Et ça fera pas d'écho. Parce que c'est l'écho, le fait que ça fasse un peu comme dans une cathédrale, c'est parce que ça, le son rebondit sur les murs. Si tu mets des trucs sur les murs, pff, rebondit plus. Ça réverbère. De l'écho, pareil. Là, dans la pièce, il y a de l'écho quand même. Ah, de la réverbère. Pas de l'écho du coup. Putain, il y a encore un mec qui se fait tirer dessus par le bot. Il a fait les compos aussi. Non, il a peut-être fait les compos par contre. Pas en bois ici. D'abord, je vais aller checker le mec qui se fait tirer dessus.
Il y a un ours et tout. Parti par là, c'est sûr. Ça, ça fait deux fois que j'entends le bot tirer, deux fois que je... Ah bah enfin, je t'ai trouvé, toi. On va me faire du métal. Ah, il y a un mec qui fait le bot à l'arc. Et il vient de là-bas, lui. Faut plus de bots pour avoir les infos, s'il vous plaît. J'espère que personne n'a touché un morcycle là. J'y crois pas du tout. Oh bah si. Après, je voulais me mettre à cette option parce que je me dis les gens ils vont pas forcément mettre, faire les compos ici parce qu'ils vont faire la route là, ils vont arriver ici, ils vont recycler là quoi. Et j'ai 2-3 clients mais j'en ai pas tant que ça. Et on va aller voir la base en bois que j'ai vue aussi. C'est bien cette base. On se fait un petit DB. Hein. Merci ma couille. J'ai pas beaucoup de balles de DB, je vais prendre quand même un handgun. Merci ma couille. J'aimerais bien qu'il se bouge à livrer mon foie à pizza là. Ah ouais d'accord, un foie à pizza. Ah, tu m'as donné envie de bouffer de la pizza, je mange la salade ce midi. Je vais bientôt devoir virer les plaques dans ma cuisine actuelle là pour les mettre dans mon autre cuisine. Je suis pas encore dedans, parce qu'il faut que je fasse le trou et tout. Il faut que je me fasse chier à venir avec les plaques pour faire le trou, pour essayer voir si c'est bien et que ça passe bien, et les ramener après, pour les revirer après. Oh, bah si je les amène, elles y restent. Pizza dans un four à bois, tellement bon. Ah ouais, ça doit être bon. J'ai l'impression qu'ils ont fait un... Ah non, ils ont pas fait de mise à jour. Si, il y a eu une petite mise à jour là quand j'ai lancé le jeu. J'ai l'impression que j'ai plus de FPS. C'était par là la base en bois que j'ai vu. Oh là là, si j'avais la mollo, je serais riche là. Oi 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 oi. Oi 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 oi. J'ai BP d'échelle, je pourrais aller voir. Oh fuck that shit. J'ai BP d'échelle, est-ce qu'on irait pas voir vite fait eux là? On va faire ça. Hein. Je vais me faire deux échelles cette fois-ci.
C'est au train, ça. Oh, je les ai pas vus. Par contre, tire dessus à travers les vaches, 2 balles. Tout bullet, hein. C'est... Ouais. Ok. On revoit. Ah, j'ai pas de quoi me refaire un DB. Putain. Fuck. Je vais jouer sans DB, ça risque d'être chaud. Y'a un mec qui mange là. J'ai envie de le jouer au tac-tac. La dernière vraie update, c'était lundi. Ah bah c'est possible, hein. Pas stream lundi. Il y a un truc qui a bouffé dans le coin, qui est parti par là, je crois. Mais qui est ? Mais qui est ? Parce que j'ai plus de DB. Ils m'ont bien vu, hein. Il y a de la brume. Ils m'ont quand même vu. Il n'y aurait pas de brume, je les aurais vus par contre. Par contre, le mec qui bouffait, il est parti. Qu'est-ce qui branlait là-bas? Je vais aller voir en vrai. Juste un Elgun, Crossbow. En mon dernier move, puis on verra bien. Et de 15 mois, coucou. Heureux de voir que tu es toujours vivant, lol. Merci, Makai. Ouais, toujours vivant. Normalement, les travaux finis mercredi. Je vais vous mettre des petites photos aujourd'hui, avant, après, sur le téléphone. Je vais faire ça là. Juste avant de. Je ferai ça quand je serai sur chantier plutôt. Aïe. Ah, si vous faites aujourd'hui, j'attends plutôt que ce soit vraiment bien fini. Parce que là, il manque les acryliques au niveau des plinthes. Non, j'attends que ce soit bien fini. Fini, fini. Par contre, le studio, je vous montrerai pas. Vous verrez au prochain live. Elles sont sorties du métro, c'est sûr. Genre, moi j'étais là, et ils m'ont tué. Ils m'ont tué là. D'accord. Ils m'ont vu.
J'ai envie de dire pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pas de porte à cette maison en haut. J'ai entendu tirer ici. Il y a un train qui s'est arrêté pile devant. Alors un freeze, mais il faut que j'enlève la pluie. Ouais, je vais bien, je vais bien aérer, t'inquiète. Bah tous les jours j'aère ma couille. Je déteste avoir chaud et... Je travaille les fenêtres ouvertes. J'ai entendu un piton tirer, mais... Personne. Dans le jeu, j'aimerais bien qu'il retire la pluie, la brume. Ah, mais je suis au dôme! La pluie, la brume, la nuit. Le dôme est bien, mais ça me fait chier que ce soit biome désert. On va repasser à Axiom. Hein. Comment tu fais pour arrêter la pluie? En vrai, ça l'arrête pas vraiment. Ça revient et des fois, ça s'enlève, mais pas longtemps, quoi. Quelques secondes. C'est un bin qui te permet de clear ton... Ouais, readme, j'ai pas compris. Franchement, c'est un bin qu'on m'a donné en stream. Et j'ai pas compris. Voilà. C'est... Ça peut être pratique en fait, quand tu veux vérifier s'il y a quelqu'un contacté chez toi. Mais dis-toi, t'as un freeze de quelques secondes quand tu utilises, donc bon, voilà quoi. C'est comme là. Là. Censé clear les... Censé clear tous tes fichiers, genre tous tes trucs, tous tes assets, mémoire, machin, mule chouette, ça fait un freeze aussi. Ah, j'entends une grenouille qui pleure. Ah, je passe une petite dernière fois à l'Oxium, les gars, puis je vais arrêter là pour aujourd'hui. Personne à l'Oxium. On se refera le prochain wipe, les gars. Normalement, si ça se passe bien, je vous tiendrai au courant. Mais pas sûr à 100%, prochain wipe, jeudi prochain. Pour le fresh. Sûrement ça en duo avec T-Max, avec Nesty, Trio, tout ça. Sûrement. Mais pas avant. Parce que là, la grenouille a 6 mois. Là, on est le... on est le premier. Ça n'est encore pour 4-5 jours. Et après, il faudra que... si je stream, je streamerai le 7-8. Et après, le 9-10, 11-12. Je vais démonter mon setup et tout préparer. Salut. Sors-nous une vidéo en attendant. Hey, Jude, depuis que je suis plus là en stream, les vidéos elles sortent toujours, ma couille. Toujours. Non, je donne plus mes bases à des viewers. C'est fini. J'arrête ça. Je donne à des gens dehors, mais je donne plus aux viewers. Ça va bien, Kid. Ça va bien, ma couille. Je vais aller manger, je vous laisse, mes petits poulets. Merci d'avoir regardé ce petit stream du matin, un vendredi. Je fais des bisous. On se retrouve du coup le 7-8. Peut-être le 7-8. Je verrai, je vous tiendrai au courant sur Discord, tout ça. Je continue mes travaux, je vous tiens au jus. Des bisous. Bonne journée, bon après-midi. Bon week-end. Tous les poulets.
désolé Harold, hein. J'ai juste un petit stream de ce matin, c'est tout. J'ai pas le temps, faut que je finisse les travaux.